Et bonjour à tous. De retour, hein, de nouveau, pour la continuité donc de cet Open sur ces 11e championnats d'Europe de padel. Et vous les reconnaissez, hein, de dos, l'équipe française composée de Léa Gaudalier au service, associée à Laura Clergue. Elle joue elle aussi une équipe italienne. Et elles ont breaké déjà sur ce début de match. Elles mènent maintenant 2-0 dans ce premier set. La joueuse italienne qui est à la volée là avec la raquette Dunlop. Très bonne raquette hein, entre guillemets, entre parenthèses pardon. Qui sert en revers, même côté égalité, assez rare pour le préciser. Je crois que Léa a touché le grillage, qu'elle a fait signe, qu'elle avait perdu le point. Je ne sais pas si les Italiennes l'ont vu. A priori, une équipe italienne largement à la portée, hein, de nos deux françaises. Vous avez peut-être suivi juste avant le match d'Alix et Jess qui ont gagné assez facilement également. Elles ont fait un très beau match, hein, ceci dit. Là, elle attendait, hein, l'italienne, elle attendait le smash de Laura, donc elle a pu contrer sans trop de problèmes. C'est l'ob qui est faute. Un match qui démarre assez tranquillement, hein, pour l'instant. Elles sont perdues dans le score là-bas, mais voilà, on devrait rétablir maintenant. Ça va pouvoir envoyer, hein. Vous l'avez vu, la préparation de Léa. Elle va la voir, Laura, celle-là, non. Balle de jeu pour l'équipe italienne pour débloquer ce compteur là dans ce match, dans ce premier set. Elle a glissé un peu. Alors c'est la première fois hein, qu'on partage une retransmission en live sur le terrain extérieur de ce club. Une joueuse de gauche qui a l'air physiquement un peu lente, hein, je trouve, depuis le début de ce match. Ouais, déjà un premier geste d'énervement de la part de l'équipe d'Italie qui est menée en maintenant de double break 3-0. Voilà, comme je vous disais il y a quelques minutes, hein, a priori un match largement à la portée de nos deux Françaises qui ont bien commencé. Nouvelle association hein, entre Léa et Laura, association intéressante hein, en termes de jeu, de complémentarité. On va voir un petit peu cette année ce que ça donne. Elles vivent toutes les deux en Espagne désormais. Laura, ça fait déjà 4-5 ans, peut-être 5e année maintenant. Tandis que Léa est allée en Espagne cette année, depuis cet été. Du côté de Madrid toutes les deux, donc elles vont pouvoir aussi se voir souvent. On verra si elles vont faire équipe ensemble en Espagne. C'est pas sûr. Peut-être que chacun va continuer à chercher de l'expérience auprès de joueuses espagnoles. Toujours cette bande verra à go élan. Ouais, c'est bien hein, ce qu'elle fait là, Léa. Il faut qu'elle rajoute hein, cette agressivité dans son jeu. C'est un de ses axes de travail hein, pour l'instant, de pouvoir envoyer à des moments.
va pouvoir faire mal. En tant que joueuse de droite, vous la voyez physiquement très présente. Très bon service de Laura. Un double break confirmé. Je le trouve pas très très rapide, hein, ces deux joueuses italiennes en termes de physique. Grosse chandelle, mais qui passera pas, hein, qui va sortir direct. Mais pourquoi pas le tenter, profiter un peu d'être à l'extérieur pour tenter ces grands lobes qui sont toujours très très gênants. Oh. Voilà, vous avez vu donc cette italienne, hein, qui sert en revers, même côté égalité, ça c'est vraiment très rare. Pour le signaler, bon, la joueuse de gauche qui est clairement en dessous, hein, quand même, en termes techniques. Donc elle sert donc en revers, hein, bien sûr, des deux côtés du coup, en prenant beaucoup d'angle, hein, côté gauche, retour dans le filet de Laura. Deuxième retour faute de suite pour les Françaises. C'est dommage. C'est de très bons services, hein, aussi, il faut dire bien sûr, mais c'est toujours dommage, hein, de ne pas obliger l'adversaire à relancer. Un troisième, ouais, applaudi par Léa, hein, celui-là, c'est très beau service pour conclure ce jeu et enfin débloquer leur compteur. Donc a priori, 4-1 pour les Françaises dans ce premier set de ce deuxième tour de l'Open. Si elles gagnent, Laura et Léa rejoueront ce soir un troisième match. Information, si vous n'avez pas suivi, sur l'autre site, Robin Aziza, Jérémy Scatena qui ont livré a priori un beau match. Hein. Ils ont gagné en deux tie-break contre la paire italienne, la redoutable paire italienne Cataneo Capitani. Et il y a quelques minutes, on a appris la belle victoire également de Mélissa Martin et Amélie Fogas, donc qui joueront ce soir contre Alix et Jess sur le coup de 19h a priori. Allez, vous voyez les Françaises qui disent que quand même on en veut, hein, pas d'El Magazine là pour être là, hein, pour vous permettre de suivre ces matchs dans des conditions pas toujours optimales, je vous avoue, pour nous, mais on se débrouille, voilà, il y a toujours moyen de faire des choses. Et Laura qui disait à Léa que je vais venir me prendre en photo. Il faut savoir que je suis au milieu des broussailles là dans la forêt. Les moustiques m'attaquent. Mais il fait beau aujourd'hui à Rome et on en profite, c'est super. D'avoir enfin ce soleil après une journée de pluie hier. Il a fait froid, voilà, aujourd'hui on est bien là. On est très très bien. De belles conditions, ça joue sur tous les terrains, vous pouvez le voir au fond, l'équipe anglaise de Tia Norton et Carolina Prado qui sont en train également de jouer leur match open. À côté, un match d'entraînement de Gilles David Aurélien Grandmont contre Charlotte Soubrier et Marianne Vandael. Et... ah, ça sort pas, dommage. Et puis à ma gauche, match open également d'une équipe néerlandaise, notre équipe italienne. Ah, elle est belle cette volée.
Voilà, bien vu, hein, très lucide, hein, Laura. Mais là, encore une fois, ça part en par 3, ça, un an. Les balles qui giclent énormément, hein, des vitres. Vous avez vu comme le smash posé de Laura est remonté, a permis à l'italienne de le défendre. Et c'est très bien joué, cette volée. Très intéressant, hein. J'en parlais sur le match d'avant d'Alix et Jess, où Jess régulièrement a fait cette volée droit devant sur la vitre latérale. C'est intéressant là pour les, si vous êtes joueur ou joueuse de gauche, entraînez-vous à faire ce genre de volée posée, pas très rapide, mais qui vient après le premier rebond taper la vitre latérale du joueur ou de la joueuse qui est en face de vous. C'est vraiment intéressant, très difficile à ramener. Ça paye pas de mine, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Ça, ça va envoyer. Et là, Léa, elle va y être. Ah, elle est mal défendue. Un chouï derrière elle, cette balle. Mais bon, il y a 5-1 pour les Françaises. Pas de quoi paniquer. Là, Léa, elle va l'avoir, mais alors facile. Hein. Ah, par contre, ouais, bien joué hein, de la part des Italiennes. Pas très bien défendu de la part de Léa. Du coup, Laura, elle n'a pas pu couvrir hein, tout le terrain. C'était compliqué. 30-0. 1-5. 30-0. Surprise, Laura, hein, que l'Italienne, elle prenne cette balle finalement de volée. Au retour Laura hein, sur ce terrain, un terrain rapide hein, qui change en plus par rapport à l'autre site où elle m'expliquait Laura pendant la pause déjeuner que sur l'autre site c'est des moquettes nouvelle génération sans sable, donc des terrains beaucoup plus lents. Et 5-2 pour les Françaises, donc ils vont maintenant servir pour essayer de conclure ce premier set. Allez, au service, Laura Clergue. Très beau déplacement hein, de l'équipe là. Service au T, volée dans le contre-pied et derrière, une deuxième volée posée de l'autre côté. Voilà, ça suffit. Très belle longueur de service à la vitre cette fois, puisqu'elle était dans sa bonne diagonale, elle ne prend pas trop de risque de servir à la vitre. 30-0 à 2 points du premier set. Variation encore une fois au service. Cette fois service à la vitre. Vous avez vu, hein, ça donne vite chez les Italiennes. Elles n'arrivent pas du tout à embêter les Françaises pour l'instant. 3 balles de premier set. Bandera, Vibora tranquille. Derrière, elle vient coller, Léa, belle volée longue. Et voilà, un premier set tranquillement remporté par Léa et Laura, qui boucle donc ce premier set, allez, on va dire vingtaine de minutes, 6-2. C'est ça, confirmé par Laura à l'instant. 6-2 à 2, les Italiennes qui ne tournent même pas. Donc, ils ne vont même pas prendre la pause auquel elles ont droit, laquelle elles ont droit. Elles restent sur le terrain, elles attendent les Françaises, qui très intelligemment hein, sont parties s'asseoir, même juste quelques secondes. Et on enchaîne avec ce deuxième set, toujours le service revers de la joueuse italienne de gauche. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans le padel féminin. Et c'est même très rare chez les hommes, un service revers dans la diagonale des égalités. Toujours beaucoup d'angles. Allez, un peu de réussite.
pour les Italiennes qui vont en avoir besoin si elles veulent faire tourner ce match. Elle remonte hein, cette balle. Ouais, alors l'Italienne n'en profite pas du tout pour faire mal aux Françaises, mais la balle de Laura était vraiment remontée. Et voilà, vraiment les Françaises hein, qui sont au-dessus hein, en termes de padel, en termes de technique. Là, ça va envoyer droit devant. Voilà, très très juste hein, de la part de Laura. Là, elle a été patiente, elle a fait travailler jusqu'à pouvoir revenir prendre la balle tôt, prendre de vitesse cette paire italienne et envoyer droit devant, la trajectoire la plus courte. Elle est embêtée hein, par ce service, Laura. L'Italienne trouve énormément de longueur, un service très très embêtant à relancer. Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé la solution, Laura. On va voir Léa. Voilà, ça en est sorti. Allez, on va pouvoir maintenant construire le point. Ah, dommage, elle aurait dû la laisser à sa partenaire. Juste faute. Et un premier jeu remporté par la paire italienne qui va commencer à faire la course en tête. Dans ce deuxième set, elle mène un jeu à zéro après la perte du premier, 6-2. Et vous pouvez voir un petit peu sur l'angle de la caméra, là derrière, vous avez donc le court central semi-couvert. Très beau central avec des gradins sur trois côtés. Le quatrième qui est réservé aux joueurs. Vous pouvez voir sur la droite de votre écran donc un match d'entraînement de la paire Monégas contre les Français Charlotte et Marianne. Du monde sur le site aujourd'hui, il fait beau donc forcément. On s'excuse Laura, mais c'était le jeu aussi hein, d'aller intercepter cette balle et d'envoyer droit devant. Très bon service de Léa, très long. Là, elle va faire Bandera tranquille. Ouais, elle est prendre vitesse, mais alors. Temps de réaction de la joueuse de gauche italienne, là, qui est un peu étonnant hein, par moment quand même. Un petit peu attentiste. Boum, par 4. Voilà, bien sûr. Vous avez vu un petit peu toute la panoplie hein, technique de Laura, là. Premier point, elle a envoyé smash droit devant. Deuxième point, elle a envoyé Bandera décroisé. Troisième point, 1 par 4. Trois techniques de smash différentes. Trois techniques automatisées qu'elle maîtrise. Et qui lui donne du coup d'énormes possibilités et options en termes tactiques. Très bien joué hein, de la part des Françaises, un jeu très solide. Vraiment, elles ne sont pas embêtées hein, pour l'instant sur leur service, un petit peu comme Alix et Jess tout à l'heure où je vous disais qu'elles étaient au-dessus. On le voit aussi à ce genre de match là où quand vous gagnez vos services vraiment très facilement et que les adversaires s'emploient énormément à gagner le leur, ben voilà, au bout d'un moment, la différence elle se fait, elle est nette. Ça oblige aussi l'adversaire à tenter des choses très difficiles. Hein. L'image de cette amortie décroisée de l'Italienne qui est restée dans le filet. Première volée dans le filet. 0-30. La différence également, une autre différence entre des joueuses qui maîtrisent ce sport et d'autres qui sont un petit peu en dessous. Allez.
Allez, 15h30. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est monstrueux. Elle la remet, Léa, et elle va y être. Elle va y être encore une deuxième fois. Et alors là, oh, c'est dommage ce smash. Allez, ça revient. Allez, c'est reparti. Bien battu. Hein. Mais c'est bien d'obliger aussi les adversaires à faire toutes ces frappes-là, de pas de montrer qu'on va se battre sur toutes les balles et qu'on est capable de les récupérer. Elles sont revenues à 30, les Italiennes. Voilà, deux volets, très bien. Annoncé par Laura, ça avait collé devant. Voilà, sans problème. Important, hein, les annonces. J'insiste souvent dessus, vous le savez maintenant. Important d'annoncer à sa partenaire ce que font les adversaires. Ça va lui permettre de faire des bons choix tactiques, de ne pas prendre de risques, de ne pas être surprise. Et balle de break. La première balle de break de ce deuxième set. Et je mets une petite pièce. Ou pas. Voilà, elle a tenté, Laura, d'avancer, de mettre la pression. Égalité. Lob offensif slicé, chandelle défensive de la part. Et là, ah non, elle ne pouvait pas trop avancer. La bandera goéland de Léa. Et c'est pas du tout la même ouverture de bras hein, entre Léa et Laura. Ouais, c'est intelligent ça de la part de Léa, bravo. Tentative de croquette décroisée dans le grillage, mais croquette donc non validée, hein, puisque l'italienne l'a touchée, mais en tout cas, croquette gagnante quand même, qui a donné le point aux françaises derrière. Et une deuxième balle de break dans ce jeu à défendre pour les italiennes, pour essayer de rester dans ce match. Elles sont moins gênées les françaises hein, sur le service de la joueuse de droite. Là, elle va la prendre direct pour éviter que ça sorte. Elle va juste pousser cette balle au fond pour laisser les adversaires au fond. Faire bloc derrière, bien sûr. Donc un tout petit peu de longueur sur ce bloc. Voilà, l'italienne qui réussit par contre une belle croquette validée, celle-là. Alors la croquette, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un passing qu'on vient faire à droite ou à gauche d'un des deux volleyeurs. La balle vous passe juste à côté sans que vous puissiez la toucher. Chiquita. Ils ont choisi la chandelle, hein, les italiennes. Cette fois, elle va bien trop loin et c'est une troisième balle de break pour elle à défendre dans ce jeu. De nouveau en difficulté, les italiennes, sur leur jeu de service. Les françaises qui vont peut-être essayer de la convertir. Forcément, et qui ont mis en place un schéma tactique. Langage corporel un petit peu énervé hein, de la part des italiennes. Ça ne trompe pas. Oh ouais, elle a essayé de la laisser passer celle-là. Elle aurait pu aussi la prendre en direct. Ça varie, hein, le timing du point. C'est intéressant aussi de vous donner le choix, d'avoir le choix de prendre en direct, de prendre deux volets. Ou de jouer après la vitre. Oh, c'est une grosse faute ça, elle s'en veut l'italienne. Allez, quatrième balle de break dans ce jeu. Vous voyez, hein, ce genre de volée haute là, l'italienne elle fait pas mal du tout. Alors que c'est vraiment des balles au padel où vous devez du coup être agressive. Ah, dommage, sûrement pas annoncé par Léa hein, que la joueuse était restée au fond. Et voilà, vous avez vu, vous avez entendu le cri d'encouragement de Léa.
qui essaye aussi hein, d'exprimer de plus en plus ses émotions sur le terrain. Et puis le geste d'énervement en face de l'Italienne qui a lancé la balle contre la vitre. Voilà, donc break fait pour les Françaises dans ce deuxième set. Les Françaises qui mènent donc 2-1. Et c'est Laura derrière qui va servir pour confirmer ce break. Boom. Par 3 de Léa. Zéro déjà. Ça va vite. Hein. Sur le jeu des Françaises, souvent ça va vite. Je ne peux pas leur porter malchance à nos Françaises, mais. Oh bim. Vous voyez là, Léa qui se cache le visage. Laura qui est défaite d'avoir touché son vis-à-vis. Mais c'est le jeu aussi, hein, comme vous le savez, comme vous le voyez souvent au padel. Ça fait partie du jeu. Vous avez vu tout à l'heure Jesk, qui a eu d'ailleurs, j'en discutais avec elle à la fin du match, hein, qui a eu très très peur hein, pour son adversaire. Et comme je le disais au micro derrière, elle n'osait plus trop envoyer. Hein, et là pareil, hein, Laura, elle va du coup varier un peu ses smashs et ça suffit mille fois. Voilà, break confirmé, blanc. Les Françaises qui mènent maintenant 6-2-3-1 dans ce match. J'en profite hein, pour vous remercier tous de nous suivre et de nous encourager. Hein. Vous avez là en live le choix entre match sur le central commenté par Julien Bondia, match sur l'autre site filmé par notre Frankie national et ce match-là de nos Françaises commenté par moi-même. Vous pouvez également mettre en route 3 écrans différents, suivre 3 matchs de padel différents de ces 11e championnats d'Europe de padel. Vous êtes une bande de vénards. Là, c'est des fautes énormes. Hein. Ce sont vraiment des fautes énormes. Mais bon, encore une fois, c'est une paire italienne. Comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sera pas retenue hein, dans l'équipe nationale. Gros vivier en Italie quand même. Hein, parce que ça reste quand même de bonnes joueuses. Mais voilà, Léa et Laura, elles sont clairement au-dessus. Ce sont de très bonnes joueuses. Elles ont passé hein, toutes les deux ce cap d'être de bonnes joueuses de padel. Elle a choisi de la prendre, Laura. Elle aurait pu voir. C'est bien. Elles se battent, hein, par contre. Hein, voilà, à l'image des deux adversaires d'Alix et Jess tout à l'heure, elles se battent, ces Italiennes, et c'est vraiment agréable de les voir se battre sur tous les points, même si elles se rendent bien compte qu'elles n'ont pas beaucoup, beaucoup de solutions. Hein. Allez, Laura, elle va essayer hein, d'en retourner là. Voilà, il manquait un peu de longueur à ce service. Ça a permis à Laura de retourner tranquillement, contrée par Léa. Ah, il est énorme ce point. Il est déjà énorme ce point, avec deux beaux contres hein, de Léa et puis de Laura. Ah, elle est belle cette Chiquita, l'Italienne, qui sert le point. Chiquita, donc, une balle hein, qu'on vient mettre dans les pieds des volleyeurs pour les obliger à jouer une balle sous le filet compliqué.
Et là, vous voyez, les Françaises, Laura, elle est défaite hein, de l'avoir de nouveau touchée. Bon, les Italiennes en sourient, mais elle a pas tapé très fort. Après, c'est vraiment le jeu. Hein. De toute façon, encore une fois, ça arrive souvent hein, qu'on prenne des balles au padel. Elles ont feinté en même temps, les Italiennes. Donc, Laura ne savait pas trop où elles allaient partir. Donc, elle a joué voilà, bas. Voilà, c'est tombé sur l'Italienne. Elle va la voir. Vous avez vu cette force du poignet hein, qu'elle a, Léa, en revers. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles hein, qui sont capables de venir défendre une balle aussi basse contre vitre qu'elle a ramenée chez l'adversaire. Elle oblige au moins une frappe de plus chez l'Italienne. Ça, c'est intéressant. Et puis, ça finit bien sûr par un smash par 4 de la joueuse de gauche qui est sortie donc directement au-dessus des vitres du fond. Elle s'est embêtée, les Françaises, hein, sur son service. Oh, ça sert à rien de l'avoir faire une faute comme ça. Tout comme Alix, ça prouve au moins qu'elle est un petit peu humaine aussi, cette joueuse. Ça rassure. Même si sincèrement, je préfère qu'elle en fasse pas. Hein. Ça va suffire. Très très bien avancé. Les Françaises qui ont construit le point, qui ont gagné à chaque frappe un mètre, ensemble en équipe. Et qui se sont ouverts des espaces à déplacer leurs adversaires. Égalité, les Italiennes de nouveau, hein, suppression sur leur jeu de service, un petit peu comme depuis le début du match. Oh là, elle tente. Ah oui, ça gicle, hein. Ça gicle énormément des vitres. Et là, elle l'avait kické un peu ce smash, donc lifté un petit peu, mis de l'effet, et ça a giclé encore plus après la vitre. Ça y est. Ils ont mis les lumières. Croquette, et eh oui. Hein. Tentative de croquette décroisée. Dommage, elle est un peu haute cette balle, mais là, elle les enchaîne, Laura. En même temps, il valait peut-être mieux le let plutôt que d'allumer la joueuse droit devant qui était restée un peu au milieu du terrain, enfin milieu de son terrain. Et donc, le smash lui serait arrivé vraiment droit dessus, hein, celui-là. Parce que Laura n'allait pas chercher à comprendre. Flashait fort droit devant, ce qui était le jeu de le faire. Oui, superbe. Superbe défense hein, de Laura. Oh là là, quelle grosse faute. Elle se prend la tête entre les mains, l'Italienne. Clairement, elle s'en veut. Et c'est de nouveau une balle de break. Hein. Je crois que ça fait la cinquième dans ce jeu que les Italiennes doivent défendre. Cadeau. Deux cadeaux de suite. Un cadeau de chaque joueuse italienne qui permet aux Françaises eh ben, de faire vraiment cette fois la course en tête. Double break dans ce deuxième set. 6-2, 4-1. Voilà, à elle maintenant de ne pas se relâcher, de finir le travail commencé. Et là-dessus, je pense qu'on peut compter sur elle. Vous avez vu des changements de côté qui se font assez rapidement. Hein. C'est vrai que il ne fait pas spécialement 40 degrés ici, donc pas besoin de boire énormément. Et un match qui n'est pas très serré. Les Françaises qui sont assez tranquilles. Léa Godali au service pour confirmer donc ce double break. Pour l'instant, elles ont vraiment aucun mal hein, sur leur jeu de service, les Françaises. Les Italiennes qui n'arrivent vraiment pas à déplacer hein, l'équipe française. Là, c'est pareil. C'est bien. Elle a touché, pas touché d'adversaire. Beau par 3 de Laura Clergue. Laura qui s'est complètement rétablie hein, de sa fracture à l'orteil qui l'avait empêchée de participer au championnat de France il y a un mois. Plus aucune appréhension maintenant.
Allez, 40-0, service gagnant. Assez concentré, hein, Léa, quand même. Hein. C'est bien, il faut. Il ne faut pas se relâcher parce que, comme je vous dis souvent et comme vous le savez, les choses vont très très vite au padel et si on a un trou d'air de quelques minutes, on peut rapidement prendre trois jeux. C'est très bien, très lucide. Laura, elle l'a vu, son adversaire se déplacer vers le centre. Elle a tranquillement posé cette bande d'Era droit devant qui n'est pas du tout sortie de la vitre du fond. Et les Françaises qui sont maintenant à un jeu de ce troisième tour dans cet Open pour ces 11e championnats d'Europe de padel qui se déroule à Rome en Italie. Le padel fait voyager. Voilà, compte, grille. Oh, mais alors là, zéro déplacement. Alors ça, je vais mettre un carton à Léa là-dessus. Elle s'est pas du tout placée. Elle a hésité jusqu'au dernier moment où elle allait la jouer. Mais alors, il n'y a pas eu, beaucoup d'efforts hein, pour vraiment réussir cette balle. Vous voyez, comme elle peut déjà aller un peu plus vite quand elle le décide. Voilà, elle se rattrape tout de suite, mais elle a quand même le carton jaune. Quinza, 3 points du match, les Françaises. Boum. Oh, ils se sont pas entendus. Elle va poser hein, cette balle. À opposer, non, elle l'a accéléré et c'était vraiment compliqué à faire hein, de la part de Laura. Nos Françaises, elles sont en mode paintball aujourd'hui sur nos adversaires, sur leurs adversaires, pardon. Elles en rient, hein, toutes les quatre. Mais, c'est dur, hein, 15-30. Elle va l'avoir. Elle a choisi de la prendre après la grille. Elle va l'avoir aussi, la remettre en direct, hein, parce que celle-là avait laissé passer, celle-là, Laura, elle était cuite. Ah, Laura lui a pas annoncé qu'elle était restée au fond. 15-40, deux balles de match. Pas de match, hein, vraiment. Elles sont vraiment très, très tranquilles. Après, c'est bien aussi hein, de se rendre les matchs faciles comme elles font. Elles sont tellement au-dessus, mais elles restent très sérieuses, nos Françaises. Elles font plaisir à voir. C'est aussi dans ce sens-là où on respecte les adversaires. On peut leur mettre 0 et 0. Mais il faut mettre 0 et 0. Et voilà, la croquette. Retour croquette décroisée pour finir. Voilà, donc match plein. On retrouvera donc trois paires françaises au troisième tour de cette Open. Une paire sera forcément éliminée ce soir puisque, encore une fois, je vous répète que Mélissa et Amélie vont jouer contre Alix et Jess. Mais voilà, belle prestation de nos françaises ici qui gagnent donc ce match 6-2, 6-1, très tranquille. Un petit coucou de la part de Léa et on se retrouve très très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.